Salut à tous et à toutes les amis. Je suis excité et remonté comme une nonne qui sort du couvent, mon pote. Et je vais t'expliquer pourquoi très vite, parce que là, tu vois tout ça. Bon alors, ouais, c'est pas très sexy comme ça, hein, parce que merci le temps en ce moment. Mais ces trois belles dalles qui sont là, belles, on reviendra, tu vois. Parce que ce qui est beau là, c'est ce magnifique chêne qui se trouve ici. Là, mon pote, il doit avoir 150-200 ans. T'es mal à la taille du tronc. Et il est pas très bien en point, mais il survit, tu vois. Du coup, on en revient au projet. Projet là aujourd'hui qui va concrétiser beaucoup de choses sur la chaîne, qui va nous permettre d'enfin pouvoir passer à quelque chose de sérieux. On attaque enfin la construction de mon atelier, les amis. Enfin, je vais avoir un putain d'atelier. Oh, enfin un atelier où je vais pouvoir ranger mes affaires, tu vois. Où tout ce que j'ai amassé depuis des années là, que j'ai investi, j'ai acheté des machines, j'ai acheté des outils, du bois, plein de merde. Eh ben mec, j'ai nulle part où y mettre. Alors c'est con, mais même la moto par exemple, c'est une galère à chaque fois. C'est pas du tout pratique pour travailler, c'est un enfer parce que mes outils, je les déplace à droite, à gauche, je les perds. Tout bricoleur aujourd'hui qui bosse dans l'atelier des autres ou qui n'a pas d'atelier tout simplement, qui bosse dans la cour sur les cailloux, sait de quoi je parle et sait pourquoi d'avoir enfin son propre atelier, c'est oufissime. En fait, c'était d'anciens box des chevaux qu'on avait fait à l'époque avec mon père en provisoire. Les dalles ont été coulées ensuite dans les box, donc elles sont pas alignées. Et en plus de ça, on voit encore les traces des anciens poteaux bois qui avaient moisi dans la terre, hein, mais on le savait pertinemment, on s'en foutait. Mais vous voyez, ça, on sera obligé d'y retoucher avec du béton, mais pas tout de suite parce que là, on arrive dans l'hiver, donc on n'en a pas besoin. Les dalles en fait sont pas solidarisées entre elles. Alors, la bêtise, c'est terrible. Alors là, il y a tous les maçons qui vont criser, qui vont dire oula, mais ça, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais, l'atelier, c'est pas non plus pour rester 20 ans dedans, je vais pas te mentir. On va faire un truc ultra quali à l'intérieur avec du vrai design stylé et tout. Mais je vais pas m'emmerder si on n'a pas de ferraille, on n'a rien du tout qui tient les deux dalles ensemble. Donc oui, elles bougent indépendamment les deux. C'est vrai que c'est un peu con. Sans faire un joint de dilatation et compagnie, j'en ai rien à foutre. Justement, on verra si ça tire. Je vais aller juste y pougner un peu de béton là-dedans. Là, pareil. Ensuite, ça, bah, une fois qu'il y aura les parois, une fois que j'aurai monté toutes les parois, que tout sera fait, on ira y creuser un peu à la pioche et on ira y foutre des pieds de... des gros plombs en béton à l'intérieur. Ferrailler, ça dépendra de mon envie, mais c'est pas dit. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire un truc ultra quali. Pourquoi pas y faire un étang aussi par la suite, par là. Faire vraiment ici une zone très chill. On va s'y mettre un petit poêle à bois, je vous le dis, parce que ça fait forge pour l'été. Et puis bah, pour l'hiver, ça chauffe en même temps que ça fait forge. Donc quand tu dois travailler du métal, c'est top. Et je pense que les ateliers seront... Enfin, l'atelier sera divisé en deux parties. Il y aura très certainement une partie là-bas mécanique et une partie bois ici. Et au milieu, soit je fais une paroi, à voir. Soit je fais une paroi, soit je mets un rideau d'étanchéité pour quand je travaille le ponçage du bois et compagnie, ou que je rabote. On verra. Squadala, nous sommes partis. C'est pas une franche réussite, donc là on va mettre le chevron et ensuite on va mettre le second là-bas, tirer le niveau et voilà. Et ça y est, ça pleut, c'est super. Il est vachement droit. Qu'est-ce qu'il veut, débilus, il garde le bois, lui. Parce que là dans le salon, la daronne elle commence à en avoir un peu marre d'avoir une scierie, tu vois. Il va falloir dégager ça. Moi ce qu'il me faut, c'est un chevron. Moi le chevron, tu vois. Elle est où ma petite beauté? Ça, c'est ma beauté, ça. Celle-là, mon gars, ça fait 7 ans que je l'ai. Elle fait tout, mécanique, travaux. Mon père, il lui met sa misère. Tout. Elle fait tout.
sont belles tes bottes. Oui, elles sont belles mes bottes. Ouais. Là, le poteau, là. Oui, le poteau, là. Si t'en mets un seulement, là. Ouais. Ça tient comment par l'esprit du Saint-Esprit là? Eh ben justement, je suis en train de réfléchir, mais un, tant que je l'ai pas dans la tête. T'es obligé d'en mettre un là. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir cette idée. Certainement. D'ailleurs, je l'ai eu cette idée. Les quatre, ils sont posés. Donc là, normalement, ici, on est plus bas que là-bas. Donc là, on va utiliser le laser. On va se mettre au niveau du point le plus bas. Puis on va essayer de repérer le laser sur les autres. Comme ça, on démonte, on coupe et on réinstalle. Technique comme ça du scope double face. Hop, là, mon trait rouge, il est là. Faut se faire chier à tout y monter ici pour cet outil. Voilà, une fois que ça y est, j'ai pu enfin tout couper. Ce qui est super chiant, c'est qu'il faut tout y ramener dans la maison parce que mon père, il fait des travaux aussi en haut. Il est en train de tout aménager des cloisons en bois, donc la scie circulaire, la scie anglaise, il en a besoin en haut. On n'est pas sur des platines qui surélève les chevrons et qui fait que bah, c'est posé en fait à même la dalle pour éviter que le bois pourrisse à cet endroit là parce qu'on peut peut-être avoir des petites infiltrations d'eau. Et bah, technique très simple à la japonaise, c'est-à-dire de brûler nos chevrons. Là, bon voilà, ça y est, c'est tout posé, voilà ce que ça donne. Là-bas, c'est fait. La lumière, c'est super, on commence à en avoir de moins en moins. Ça va être relou avec la GoPro de pouvoir filmer de nuit. On essaiera tout à l'heure avec le spot un petit peu. Bon, on se retrouve aujourd'hui, les amis. Alors, c'est cool, il fait beau, ça déjà c'est cool. Par contre, il y a un vent de merde, il y a la bise, donc c'est super. En ce moment, on a la météo pour nous, c'est au top, j'adore. Avançait un peu l'autre soir pendant qu'il faisait nuit, mais on voyait pas grand chose avec la GoPro, donc ça servait à rien. Donc, du coup, on a avancé sans filmer. Donc voilà, ça donne ça. On a posé un chevron horizontal, sachant que là c'est le début, donc c'est assez chiant de poser les premières parties parce que les chevrons bougent un peu. Du coup, comme il y a du vent, je vais pas m'attarder à parler sans s'étendre. Je vais vous faire quelques plans d'avance, donc vous allez avoir un petit accéléré de l'évolution d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça, puis j'ai trouvé ça. Tu vas voir si tu vas venir chier par ici, ma cocotte. Thank you.
les amis, j'ai posé ce foutu poteau là. On est dans le noir, on voit rien, j'espère qu'il y a la GoPro, on verra un petit peu. Je vais essayer de poser là-bas au fond, là, entre les deux poteaux, et en fait permettre d'appuyer la fêtière. Il y a encore un poteau qui va venir là au milieu, et il y aura le même qui va venir encore en face. Donc je vais pouvoir les découper, ceux-là, et peut-être les poser, donc il faut repercer la dalle. Il fait un froid, mon pote, c'est un enfer, là, je suis en train de geler, il doit faire... Moins 8000. Et ils annoncent de la neige pour ce week-end, donc là comme il fait beau et avec la bise en plus, donc il faut que je me bouge le cul d'avancer pour dégager un maximum de bois possible, et puis surtout parce que moi j'ai envie de profiter de mon atelier, gros, le cul au chaud avec un bon petit poêle à bois là. Ouais, par ici là, là où il y a le spot, par ici, il y a à côté de la porte d'entrée en fait. Oh là là, le petit coucher de soleil. Là, je vais le porter dans 5 minutes. Oh merde! Oh, c'est con ça! Super! J'ai avancé un petit peu. J'ai posé l'extension ici, donc la partie qui sera couverte mais qui sera ouverte devant, où là il n'y aura pas de paroi. J'ai posé déjà les prémices des deux fermes. Et puis voilà, là, faire la petite découpe en diagonale. J'ai quand même mis une équerre pour pas que ça bouge à l'avenir. Deux vis qui prennent par-dessus, ça normalement ça devrait pas bouger. Parce qu'après je vais avoir des renforts comme ça là. Ça c'est tout du bois de récup. Et je vais venir en fait le mettre là. Tac. Comme ça, voilà. Pour pouvoir renforcer en fait toute l'armature, je veux vraiment pas que ça bouge, donc il va y avoir une double paroi, hein. Le cabanon va être super costaud, ça va pouvoir souffler fort avant que ça commence à dégager, mais c'est vrai que les chilles que j'ai dans le sol là, avec les équerres comme ça, bon, il y a mieux, mais ça coûte beaucoup plus cher. On a terminé les deux longueurs latérales. Maintenant, je suis en train de placer les fermes pour renforcer le tout et surtout pouvoir aller mettre la fêtière. Voilà, j'ai déjà mis cette ferme, mais qui ne tient pas, qui à tout moment peut me tomber sur le casque. Et là, j'ai calé celle-là, qui pareil, à tout moment peut tomber. Bonjour tout le monde, on vient regarder comment c'est fait. Alors, salut bouille d'amour. Salut bouille d'amour. On vient voir comment l'architecture de ton box est faite, toi. D'accord, il a fait comme ça le daron, donc en fait il s'est posé dessus, c'est pas... Ah ouais, il s'est posé dessus, ok. Pas très costaud ta porte à toi. Hein. D'accord, ben, on va faire pareil en fait, des grosses fermes comme ça. Ah, bouille d'amour. Ouais, c'est bouille d'amour. Déjà, ce qu'il faut en fait, c'est prendre les niveaux pour avoir les fermes toutes à la même hauteur et pouvoir poser les deux grosses énormes fêtières. Là. Mais là. Je sais pas pourquoi, mais ça, la tronçonneuse, si j'arrive à y couper droit, bah c'est un miracle, hein, mon pote. Tu pompes.
j'ai l'air d'être plutôt droit. Ça épluche tout, mais ça va. J'en prends plein la gueule, mais ça va. Mais après, on s'étonne de pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. J'ai un escabeau, poteau, c'est une feuille d'aluminium. Je tronçonne avec la lame à 30 cm du groin. Il y a un moment, l'accident, s'il arrive, je pourrais pas dire que c'est pas de ma faute, tu vois. Là. Allez. Non. Vas-y, on refait. Ça va marcher, tu vas voir. Ça va marcher, ça va marcher. Arrête de souffler. Ça suffit, hein. Oh. Oh. Oh oui. Donc là, j'ai tracé mon trait. Le bout est ici. Et moi, je dois venir couper avec ma lame. Comme ça. La découpe, elle est nickel, mon pote. Faut pas la faire glisser. Non. Alors, attends. Viens. Allez. Là, comme ça, je soulage deux fermes à la fois, banane. Côté. Allez. Non, mais attends. Allez, pousse au cul, maman. Attends. Allez. À la nuit. Encore combien là, il faut déborder. Ah, c'est sûr. Voilà. Le lendemain, donc la fêtière hier soir, on a réussi à la poser rapidos avec les darons. La GoPro, elle avait la carte SD pleine. Et en plus avec le froid, les batteries qui gèlent. Donc voilà ce que ça donne avec le soleil. Bon là j'ai posé un petit bout de chevron pour voir l'inclinaison du toit. Mais c'est juste un truc posé, c'est pas du définitif. En fait, j'ai trouvé une autre solution, plus simple. Plutôt qu'en fait de mettre un poteau ici, là en dessous, ça sert à rien d'aller caler un poteau parce que j'aimerais garder cette paroi démontable. S'il y a une paroi, ça se trouve, il n'y aura pas de paroi ici. Il y en aura une certainement là-bas au fond. Ça, c'est sûr parce que le vent souffle très fortement du nord qui se trouve là-bas. Si un jour, je dois rentrer une bagnole, tu vois, de face, par exemple ici ou de là-bas, là au moins j'ai de la place pour tourner, j'ai de la place pour avec une chèvre sortir un moteur par exemple. Donc ici je peux faire un agrandissement avec une dalle supplémentaire que je viens racoler à celle-là. Je vais simplement faire une ferme comme il y a là-bas au milieu, donc juste avec un petit poteau comme celui-là, tu vois. Là, la planche elle est bonne, lui il est bon. Donc là, je le pose comme ça. Et je fais mes traits comme ça. Donc là, on fait deux petits pré-trous. On peut venir y caler tes deux vis. Ton chevron. Et ensuite, par en dessous. Alors, il y en a qui vont se demander comment j'ai fait pour mettre ça à peu près au même niveau que là-bas. Le talent, mon pote. Prendre des dimensions, ça va bien 5 minutes. Et des fois, il faut faire confiance à tes sens. Et arrêter de faire le fragile. Puis si tu veux vraiment savoir si le travail il est bien fait, tu prends la mesure d'ici. Jusqu'au chevron, alors toujours avec de l'approximation, hein. On est à 18,3. Tu verras que là-bas on sera à 18,3 aussi. 19. Ça va. Voilà, je vais pas me faire chier. Et là on est à 18.
18,3. Parfait. Voilà. Là, tu maintiens. Et où ma visseuse? Hop, elle est là. Bon, et ben voilà, la dernière ferme, elle est posée, elle est montée. Maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de ça. Et ensuite, j'appelle le daron et on pose la dernière fêtière. Il faut prendre le problème à la base. C'est ça qui nourrit le ciboulot. Faut pas se torcher le cul avant de chier. On a réussi à se planter dans les calculs de bois. On peut remettre la faute soit sur le charpentier, soit mon daron, parce que c'est pas moi qui ai fait les plans. J'ai laissé faire, donc je peux nier, entre guillemets, que je me suis planté. Vous me direz, t'avais qu'à faire le travail et t'avais qu'à faire les plans toi-même et t'aurais été peut-être mieux servi, oui. Ah oui, c'est cocasse. La fêtière est posée, voilà ce que ça donne. C'est plutôt cool. Alors on a eu un souci, on a dû redémonter, reposer, faire des ajustements, blablabla. Un enfer, mais là les petites fermes, là, c'est bien sympa. Le problème, tu vois, c'est que quand on a posé la deuxième fêtière, je sais pas si vous avez vu à la caméra, en fait là-bas on était beaucoup trop bas par rapport à ici. Et pareil, on avait une légère pente à gauche par rapport à droite. Donc cette ferme-là était trop basse. Celle là-bas était carrément trop basse. Donc le chevron, la fêtière ne touchait même pas. Là au milieu, maintenant qu'on y a redressé, bah, ça touche pas non plus. Donc j'ai dû mettre une cale parce que là il y a un poteau. Donc j'allais pas m'amuser à gaspiller le poteau. Donc j'ai mis juste une petite cale de 2,5 cm. Là-bas, j'ai dû refaire du coup mon petit poteau vertical. J'ai dû le refaire. Ça va, ça fait pas une grosse chute de bois, c'est réutilisable. Mais voilà, au final, on avait un gros souci. À cause de qui? À cause de lui. Ah! Quand ça, c'est merdique, tu vois, il est cassé là. Donc il était tombé certainement dans la maison, ou soit mon père, soit je sais pas qui l'a fait tomber. Mais du coup, moi, quand j'ai tiré avec mon rail là-haut, ça a tout décalé, tu vois. Donc ça, c'est poubelle. Stupid son of a bitch! La bulle m'a fait décaler de... Quasiment, on a regardé, il y a quasiment un décalage de 0,5 à 1 cm presque. Donc entre le bout là-bas et le bout là-bas, il y avait presque 5 cm de différence. On est tout bien. J'ai mis la première panne. Voilà ce que ça donne. Celle de droite n'est pas fixée, hein. C'était juste pour me donner l'angle en haut. C'est assez sympa. J'ai plus de chevron, il va falloir en recommander. Non, la prochaine fois, ça va être la pose des planches et pose de la toiture. On va faire déjà un premier épisode comme ça parce que ça risque d'être trop long. Et puis comme ça, ça fait durer un peu le suspense, tu vois. Au froid, il fait moins. Moins 8000. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé l'épisode numéro 1. Et on se dit très vite pour l'épisode 2, les gars. Allez, à la prochaine. Et toi? Hein? Qu'est-ce que t'en dis de l'atelier? Ouais.